Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de Euro Truck Simulator 2, le chemin du routier, combo skin pack, les mignons. Et oui, enfin un combo skin pack. Je vous avais annoncé dans plusieurs vidéos précédentes sur le chemin du routier, en vous disant qu'on allait commencer les vidéos, qu'on allait continuer les vidéos, mais on va faire des combo skin pack. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un Volvo FH Sleeper F modèle 2012. Et aujourd'hui nous avons aussi une remorque frigorifique avec on transporte 20 tonnes de CNS. Mignon, je sais pas du tout ce que c'est. Aujourd'hui nous allons destination Strasbourg à l'Oisonne. Donc on est au Luxembourg en ce moment. Nous sommes attendus entre 17h56, entre mercredi et jeudi. Il nous reste plus que 7h. Bon bah va falloir qu'on trouille. Hein. Revenu de la mission 5000 euros et aujourd'hui on est chez le concessionnaire Volvo. Et oui, Volvo, ça tombe pile poil. Et oui, ça peut arriver comme on dit. Mais bon, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les modes, comme d'habitude. Les modes, je vais vous dire quels sont les modes que j'utilise, bien sûr, et aussi pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines. Alors, je vais vous expliquer tout ça, quand on aura parlé du sujet du jour. Alors pour cette vidéo, pour cet épisode 18, le sujet du jour aujourd'hui, c'est la vie en Allemagne. Alors bien sûr, j'avais fait sur l'épisode 13, j'avais fait une vidéo sur la vie en Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, on va parler de la vie en Allemagne. Alors je ne vais pas faire aussi de vidéo sur la Grande-Bretagne, sur la France ou le Rotterdam, ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc on va commencer à parler des modes. Alors on est avec un Volvo FH Sleeper 2012. Alors les modes que j'utilise, j'ai 5 modes, vraiment pas beaucoup. Alors nous avons le Japon Compagnie Rail. Donc j'ai compris compagnie 1.0, donc c'est les compagnies où je vais chercher les remorques. Nous avons aussi le Japonville Gary Station, donc les stations service avec des noms d'entreprises, tout simplement. Et nous avons deux modes qui sont dans le combo skin pack. C'est le C-S Minion Trailer, donc le mode de la remorque. Et nous avons aussi le CS Minion Volvo, donc le skin du Volvo tout simplement. Et nous avons un dernier mode, le Selenia Europe Africa Trailer. Donc c'est des modes, c'est un nouveau mode. Donc c'est comment ça? Ouais, c'est un nouveau mode. Donc c'est le même mode que j'avais d'habitude, sauf qu'il rajoute des nouvelles remorques. Je crois qu'il rajoute 5 ou 10 remorques supplémentaires. Voilà. Allez, je vais vous montrer la carte du jour, bien sûr. Alors, nous avons quoi? Donc, nous sommes au Luxembourg. On va faire tout ce chemin et on va arriver à Strasbourg chez Tramery. Tout simplement. Wilson, c'est ça, je crois. Hein. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, pour avoir de parler du sujet du jour, bien sûr. Comment ça se fait? J'ai encore le bouton du jeu. Ah, quand même. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, avant de parler du sujet du jour, je ne sais pas ce que j'aime, mais je fais que de me répéter. Donc, pour la dernière fois, avant de parler du sujet du jour pour l'épisode 18, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu... Eh oh, laisse-moi la place, je vous dis, ah ouais. Non mais, c'est ma gueule, là, what the fuck. En plus, c'est vert, j'ai pas envie de perdre une place. On a un chien. Donc pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines? Alors pourquoi? Alors en fait, j'ai fait une bêtise et je l'assume. Je suis
je l'assume vraiment. J'ai vraiment fait une bêtise. En fait, j'ai voulu tester un mod. Donc, c'était un mod, c'était... Alors, attendez, qu'est-ce que c'était? Ah oui. C'était un mod qui vous permettait d'avoir des compagnies réelles. Donc, il y avait Norbert d'Entrezangles, Geodis, il y avait plein d'autres marques, plein d'autres noms d'entreprises. Et en fait, le problème que j'ai eu, c'est que donc j'ai ajouté avec les modes supplémentaires. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ça marche pas? À un moment, donc je mets le mode, tout machin, il marche, bref, ok. Ah merde, chérie, j'ai rien dans ces points. Et en fait, je sais pas comment ça se fait, j'ai eu, on va dire ça comme ça, un mode. Donc quand j'ai activé le mode, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les remorques ont. J'avais plus de. Je pouvais plus aller chercher de remorques, ils avaient toutes disparu. Donc le jeu, la session avait planté, hein, tout simplement. Et donc c'est pour ça que j'ai fait au début, je suis bon bah je vais annoncer dans les discussions. Alors je mets souvent des messages dans les discussions sur la chaîne YouTube. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir ça, tout ça, plein. Voilà. Alors c'est pour ça et je me suis dit, mais mince, comment ça se fait? Ah oui, mince. Oh purée. Alors après, la semaine d'après, week-end d'après, je me suis dit, bon bah ok, je vais faire la vidéo. Bon, je regarde, merde, le skin ne marche pas. Comment ça se fait? Et en fait, j'avais fait une bêtise. J'avais pas remarqué. En fait, j'avais pris le mauvais. J'avais pris le bon mode. Sauf que j'avais pris le mauvais skin, le mauvais modèle de camion. En fait, c'était le FH13 et non le. Moi, j'ai le FH12 et non le FH13. C'est pour ça que je me suis dit, mais comment ça se fait? La remorque marche, mais pas le skin. Comment ça se fait? Il y a un truc qui est pas logique. Et c'est pour ça que ça a pas marché. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais what? Bon, bah, je vais encore annoncer. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo information. Tous ces trucs-là. Bref, voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Tout simplement. Alors, maintenant, nous allons commencer à parler du sujet du jour, la vie en Allemagne. Alors, pour cette vidéo en Allemagne, tout simplement, alors, on va parler de l'habitude, leur habitude de vie, comment est-ce qu'ils vivent, est-ce que la nourriture est chère, est-ce qu'il y a peu de choses, est-ce qu'il y a chez eux, est-ce qu'il y a beaucoup de chômage ou est-ce qu'il y en a très peu, bref, est-ce que voilà vraiment la vie en Allemagne. Alors on va aussi parler aussi de Berlin, aussi la capitale de l'Allemagne. Alors faut savoir, non, Stuttgart et Munich, c'est pas la capitale de l'Allemagne. Hein. Non, non, je vous parlerai aussi de l'Allemagne, aussi de Berlin, hein, parce que c'est la capitale. Et on va parler en fait, voilà, de vraiment de tout. Voilà. Alors, les Allemands, c'est la langue là-bas, c'est l'allemand, c'est Deutsch, Germany, c'est leur langue, quoi. Alors, déjà, ce qui est bien en Allemagne, moi j'aime beaucoup l'Allemagne puisque j'habite à côté, hein, j'habite juste à côté de l'Allemagne. Bon, je ne vais pas vous dire la région. Déjà, ce que j'aime en Allemagne, c'est la vie. C'est les supermarchés, le shopping, les places de parking, tous ces trucs-là, ils sont vraiment au top. Et moi, j'adore leur mode de vie, c'est vraiment bien. Même le petit déjeuner là-bas, il est succulent, mais vraiment. Ils ont vraiment une habitude de vie différente par rapport en Angleterre. Et nous, et chez nous en France. Alors, je vais vous dire que déjà en Allemagne, la vie est pas chère. La vie est quand même chère, quand même un peu, mais pas beaucoup. Là-bas, chez eux, c'est. Comment dire ça? Là-bas, la vie est bien. Bon, elle est pas faite de bisounours et tout ce que vous voulez, de Teletubbies. Oh putain! Oh là 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 là! Oh putain! Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Non, ça va, j'ai rien. Oh merde! Me dis pas que je suis coincé! Non. Donc, j'en reviens. Je sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai bon. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis vraiment le roi des accidents. Et donc en fait,
Là-bas, déjà, les supermarchés, là-bas, c'est des petits supermarchés, c'est des Aldi, Lidl, vous avez Réway, DM, tous ces petits magasins, c'est vraiment... En Allemagne, c'est vraiment les tops. C'est vraiment des petits supermarchés. Alors déjà, chez nous, en France, un supermarché, si vous allez chez Carrefour, c'est un gros supermarché, c'est 10 à 20 hectares. Bon, ça abuse peut-être, j'en sais rien. Déjà, voilà, c'est grand chez nous. Si vous avez des grands rayons, chaque rayon a un produit. Par exemple, vous avez le rayon pour les produits laitiers, yaourt, fromage et lait. Non, peut-être pas. Vous avez le rayon yaourt, vous avez le rayon beurre, vous avez le rayon sucrerie, confiserie, chocolat, cacao, café. Bref, vous avez plein de trucs. Et moi, c'est ce que j'adore. Bon, bref. Mais en Allemagne, il y a un truc qui est bien, c'est que là-bas, la vie est quand même moins chère que chez nous. Par exemple, chez nous, un bretzel en France, ça coûte. Combien? Allez. 80, 90 centimes. Un bretzel. Peut-être voire plus. Bon, en Allemagne, chez Aldi, ça coûte 29 centimes. 29 centimes. Je dis bien 29 centimes. Donc, ça veut dire que chez eux, ça coûte moins cher. Alors, regardez, chez nous, vous achetez. Je sais pas moi. Pas moi, deux bretzels, bah ça va vous coûter peut-être 1,50, alors que là-bas ça va vous coûter 60 centimes. Vous allez vous dire, mais what, mais comme c'est grave moins cher! Pareil, la vie. Alors, déjà là-bas il y a très peu de chômage, c'est comme en Angleterre, chez eux il y a très peu de chômage. Je sais plus combien ils sont, mais je sais. Merde, fait chier. Hatchet. Oh putain! Oh j'en ai marre, j'en ai marre. Bon allez, on a 1% de remords, j'adore! Mais bon, à part ça, tout va bien. Alors, il va y arriver, oui, oh merde. Oui, c'est eux. Alors, si vous regardez la vidéo et il y a beaucoup de bugs, c'est normal parce que je suis obligé de mettre. Là, j'ai 20 FPS. Normalement je devrais mettre la qualité faible, mais j'aime pas du tout la qualité faible. J'ai remarqué qu'il y avait très peu de vues. Alors j'ai décidé bien sûr de faire ça, tout simplement. Parce que voilà, même si c'est des bugs, je sais que bon bah voilà, c'est normal qu'il y ait des bugs. Normalement je devrais pas avoir de bugs avec la qualité moyenne, je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas du tout pourquoi. Et moi déjà j'aime pas la qualité faible, j'aime pas du tout. Personne n'aime la qualité faible, vraiment personne n'aime la qualité faible, c'est vraiment de la merde. Mais bon, bref. Aussi, je vous informe, je coupe un peu le sujet du jour. Nous allons bientôt commencer le multijoueur sur Euro Truck Simulator 2. Alors, vendredi soir, le week-end dernier, eh ben, il y a eu un truc que j'ai su sur Facebook. Il y a eu le serveur Trucker MP, donc ETS2 et ATS. Il a été piraté par une personne frustrée, je crois, oui, par une frustrée. Piraté! Vous dites, mais what the fuck? Comment ça se fait? Comment ça se fait que le jeu il a été piraté? C'est pas normal, ça. Non, non, non. C'est pas normal. C'est pas normal que le jeu ait été piraté. C'est pas possible, quand même. Faut qu'il y ait un jeu qui soit piraté. Regardez, le jeu, c'est pas possible qu'il soit piraté. Sauf si les créateurs du multijoueur ont vraiment mis ont vraiment empêché, ont vraiment mis des antivirus, ont vraiment protégé, mais avec des trucs simples. Je sais pas comment il a fait le gars, hein, mais bon, faut vraiment y arriver. Hein. Putain. Voilà, donc on va commencer multijoueur. Je vais mettre une mise à jour, une bande annonce pour le multijoueur. Et nous allons. Le titre de la série sera Euro Truck Simulator 2. Les habitués de la route, le multi, voilà le nom de la série sur ETS2. Alors, petite information aussi, là j'ai pas fait de vidéo, mais samedi prochain, il y aura une vidéo sur un combo skin pack, bien sûr. Bon là je vois pour améliorer le camion hein, quand même. Et on va avoir un combo skin pack assez chelou. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça serait un... Comment dire ça? Alors, le seul indice que je peux vous donner, plusieurs indices quand même, c'est
Déjà, c'est un combo skin pack où vous avez des mannequins. C'est un le skin, le thème du combo skin pack est assez chelou. Donc, je ne vais pas mettre sur la vidéo les moins de 10 ans. Donc, disons, voilà, il y a des trucs de moins de 18 ans, machin, des images moins de 18 ans. C'est assez chelou. Bon, il y a un moment, j'ai failli mettre un combo skin pack, mais tout compte fait, j'ai pas voulu. Parce qu'en fait, c'était un truc complètement chelou. C'était le Volvo, l'intérieur, l'arrière du camion était très chelou. C'était pareil des mannequins, mais des femmes. Et c'était vraiment super, super chelou. Je me suis dit, oula, là, ça va pas plaire du tout. Peut-être que ça va vous plaire, hein. Je sais rien. Voilà. Donc voilà, on referme le sujet pour on referme cette information. Voilà. Donc, on revient sur le sujet du jour. La vie en Allemagne. Alors c'est vrai que les Allemands, chez eux, les petits supermarchés, c'est vraiment bien chez eux. Alors chez eux, les Allemands, ils vont plutôt faire leurs courses le week-end, le samedi et le midi. Surtout le midi, c'est là où il y a beaucoup de monde. Alors vous avez différents supermarchés en Allemagne. Vous avez Edeka, Aldi, Lidl, Rewe. Vous avez Migros aussi, bon ça c'est suisse. Vous avez plein de petits supermarchés, c'est vraiment des petits, comment dire ça, comme si c'était des fast-food en fait. C'est vraiment ça, tout simplement. Voilà. C'est vraiment un truc vraiment simple, très peu de chômage. Alors, le petit déjeuner en Allemagne, comment il est? Alors en Allemagne, chez eux, il est vraiment basique. Basique, c'est plutôt... vous mangez beaucoup. Alors au petit déjeuner, c'est quand même différent. C'est différent. Par rapport en Angleterre, c'est en Allemagne, c'est vous mangez de la charcuterie, des légumes, des fruits et des légumes, donc des tomates, du concombre, du fromage. Non, je crois pas de la salade verte, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Vous avez vraiment pas mal de choses, c'est le top du top, tout simplement. 30 euros sous 2 mois, what, c'est cher. Moi j'ai vraiment bien. Alors les Allemands, ils mangent à 7 heures, ils mangent beaucoup, ils mangent vraiment beaucoup. La charcuterie, vraiment le gros petit déjeuner. À midi, ils mangent à 13 heures. Donc si un jour vous allez visiter l'Allemagne, ou je sais pas, vous allez visiter la capitale, donc Berlin, la capitale de l'Allemagne, ou peut-être Stuttgart, Munich, bref, et ben les Allemands, si vous mangez à 12 à midi, ben y a pas grand monde. Mais si vous mangez à je sais pas, à 13 h, là vous allez avoir beaucoup d'Allemands, parce que le matin et le soir ils mangent très peu, je crois. Je crois qu'ils mangent vers les 17 h, je crois. Ouais. Ils mangent vraiment très peu. C'est vraiment le repas. Voilà l'horaire de journée pour les Allemands, pour le repas. C'est vraiment quelque chose de bien. Moi, j'aime bien le repas. J'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, vraiment. Et c'est vraiment bien. En plus, ce que j'aime beaucoup en Allemagne, c'est les camions. Parce que déjà, chez eux, en Allemagne, il y a encore beaucoup plus de camions qu'en France. Et ça, c'est vraiment, vraiment. C'est vraiment quelque chose de bien, c'est... Comment dire ça? C'est vraiment le top du top, vraiment. Alors, pour Farming Simulator 2015, donc là c'est fini pour le sujet, mais on va continuer quand même un peu. C'est quand même... Donc, pour Farming Simulator 2015, pour le moment, y a toujours pas. Hein. Mais en fait, Gold Edition n'a pas marché, on sait pas pourquoi. Mais on va voir pour que le normal marche, parce que le normal marche. Sinon, si le Kraken ne marche pas, j'achèterai le jeu, j'achèterai le jeu payant, ou sinon j'achèterai le jeu sur Steam. Et comme ça, bah, je serai tranquille, quoi, tout simplement. Voilà. Ça a été. C'est vraiment quelque chose que. Voilà, bon, voilà, moi aussi je voudrais bien jouer à Farming Simulator 2015, au lieu de jouer en solo. C'est vrai que le solo j'aime bien aussi, mais c'est pas trop mon truc, je suis plutôt multijoueur, jouer avec des gens, tout ça. Donc voilà. Donc je sais pas encore quand je vais faire la vidéo pour le multijoueur, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que
on va continuer les vidéos sur le multijoueur. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors j'ai aussi sur ma chaîne YouTube, j'avais fait des vidéos sur des skins de camions, mais ça n'avait pas bien marché. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Picsou24. Vous pouvez aller voir, vous pouvez vous abonner. Donc sur cette chaîne, je ferai des vidéos, surtout sur des skins de camions. Ça va être ou sinon ça sera plutôt, ouais, sinon je vais faire ça sur ma chaîne, je ferai sur la chaîne de Picsou24 et sur la mienne. Alors je ferai des vidéos là-dessus. Je ferai surtout des vidéos le dimanche, je mettrai trois skins là-dessus. Comme ça, parce que je les avais supprimés, j'avais perdu un abonné, je me suis dit, oula, c'est pas bon ça. En fait, pour moi, quand je perds un abonné, c'est grave, c'est vraiment tout, bref. Et c'est pour ça que voilà, je me suis posé la question, tout ça. Et j'ai supprimé, machin, tout. Alors, je vous mettrai des vidéos. Je vous mettrai trois skins, peut-être deux, je verrai. Je sais pas encore. Mais au moins, je vous mettrai le skin. Et vous verrez, ça sera vraiment bien. Vous allez voir, ça va être sympa, vous allez voir. Voilà. Alors aujourd'hui, on est dimanche, le 28 février. Je posterai demain, lundi, la vidéo sur YouTube. Donc, il y aura un petit décalage, bien sûr. Comme d'habitude, je mettrai le lien de la description des mods sur le site lituanien et le lien pour s'abonner à la chaîne. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous le souhaitez. Alors là, avant de reparler pour la capitale de Berlin, je vais vous informer que j'ai regardé le temps que vous regardez, vous les abonnés, le temps que vous regardez sur YouTube. Alors en fait, je voudrais savoir, alors quelquefois, la dernière vidéo sur World of Truck, que j'avais fait sur World of Truck, vous savez, la vidéo qui a duré 1h40. Alors c'est vrai que c'était une vidéo assez longue, je suis tout à fait d'accord. Mais quand je regarde le temps, alors il y a quand même eu 1h14 de vues, c'est quand même pas mal. Mais quand je regarde dans l'analyse, j'ai que 1 minute 50 que les gens regardent. Et je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que il y a très peu de gens qui regardent ma vidéo. Oui, je voudrais bien savoir parce que. Ok, alors, tu sais, le jeu il bug quand je mets la qualité moyenne, mais bon, moi je préfère cette qualité. Bon, c'est un témoin, c'est la meilleure chose que je propose, bref. Et je fais ce que je peux, comme on dit, quoi. Et en fait, le problème, c'est que je sais pas. Alors, bon, c'est vrai, quand je regarde les non-abonnés, bah, par exemple, j'ai. 50 secondes, 50 minutes que les gens regardent et après le reste c'est tout quoi. Les abonnés, les non abonnés, passaient 40 secondes. Pour les non abonnés c'est 40, 50 secondes et pour les abonnés c'est 1 minute 50 et je voudrais bien savoir pourquoi. Alors dites-moi dans les commentaires pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas ça? Pourquoi? Dites-moi vraiment pourquoi. Parce que je voudrais bien savoir en fait, vraiment pourquoi. Je voudrais bien savoir, bon voilà. Bon moi j'y peux rien, hein. Voilà, je suis pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je m'exprime mal? Est-ce que bah voilà, je parle plusieurs fois. Est-ce que je dis plusieurs fois la même chose et vous ça vous dérange? Est-ce que. Non, pourquoi je fais ça? Voilà, bon travail, oui, je sais. Alors, ouais, on a fini. Alors. Donc en fait, voilà, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi, en fait. Pour moi, c'est quand même un. Pour moi, c'est quand même, pour moi, c'est quand même un défaut, quoi, comme on dit. Et en fait, je voudrais bien savoir pourquoi, tout simplement. Alors,
Pour en revenir sur la capitale de Berlin, pour la capitale de l'Allemagne, c'est Berlin. Alors, si un jour vous voulez aller visiter Berlin, moi je vous conseille vraiment, mais vraiment. Alors déjà, à Berlin, c'est propre. La ville est propre. Il y a beaucoup moins de touristes. Bon, il y a quand même des touristes. Il y en a quand même moins qu'à Paris. Tu vois, à Paris, c'est... chaque fois que vous allez dans un monument, vous avez tous les touristes asiatiques qui viennent. Tac, 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 tac. Oh purée, bon bah, vous pouvez dire adieu. Alors qu'en Allemagne, vous avez quand même des touristes étrangers, chinois, coréens, tous ces trucs-là. Mais vous avez quand même moins de touristes. Par exemple, vous allez à la porte de Brandebourg, à la porte de Brandebourg, et bien vous avez quand même des gens, vous en avez quand même moins qu'à Paris, beaucoup moins. Vous avez quand même allez, 10 ou 20% de touristes, mais sinon c'est tout. Après, bon voilà, hein. Après, vous avez aussi la statue de la Victoire, le mur de Berlin avec l'URSS, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne qui s'est divisée en deux avec l'Ouest, l'Ouest, après la capitale de Berlin a été séparée avec la Russie, l'Angleterre, la France et les États-Unis, bref, plein plein de trucs. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai beaucoup adoré, tout simplement. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas, laissez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Mettez un commentaire pour savoir, pour me dire est-ce que je me suis mal exprimé ou autre chose. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode sur ETS2. Ciao tout le monde, vive les chauffeurs routiers!